Bonjour Olivier Bétouin. Bonjour. Nous sommes au mas de la Coume, c'est comme ça que ça s'appelle? C'est comme ça que ça Voilà, s'appelle, au-dessus c'est. de Prades, Deusse, le village le plus ensoleillé de France, à quelques kilomètres de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, Sur la commune de Mossette. sur la commune de Mossette. Et d'ailleurs, c'est pour nous parler de l'opéra de Mossette que vous êtes aujourd'hui au Journal Catalan. Voilà, Opéra Mossette, c'est une association qui existe depuis 2002 et en 2003, on a créé un premier spectacle. Vous êtes le fondateur, vous. Je suis le président fondateur, voilà. Bravo. Et c'est à l'initiative d'un Hollandais qui habite Mossette 7-8 mois dans l'année, Albert Haydn, qui a une longue carrière d'artiste et qui, trouvant qu'on l'avait merveilleusement bien reçu à Mossette, voulait un peu rendre l'histoire et a monté un opéra avec un autre ami, Pierre Nohac. Et l'idée, c'était de faire participer les gens du village. Alors, c'est vrai que dans l'opéra, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut chanter, on peut danser, on Mais tout le monde ne peut. sait pas chanter quand même. Tout le monde ne peut pas danser. Mais alors, du coup, on peut faire les costumes, on peut faire D'accord. les Eh oui, décors, on c'est peut une faire. véritable Il entreprise en y a fait. plein de choses. Et en même temps, on demande à des musiciens professionnels ou des chanteurs lyriques professionnels d'encadrer et d'accompagner le spectacle, Très ce qui bien. fait qu'on fait un beau spectacle. C'est presque une école alors finalement. C'est presque une école, puisque les répétitions, ben, comme dans beaucoup de chorales, hein, c'est toutes les semaines, 3 heures par semaine, et on fait des représentations en été, surtout à Mossette, et en particulier cette année, où on va présenter le Barbier de Séville, mon super-héros, avec un metteur en scène de Rigarda, Arnaud de Volonta. Fabuleux. Vous produisez donc un opéra par an. On produit un opéra par an, mais c'est une vraie création. On ne reprend pas quelque chose d'existant. Alors même si on fait La Flûte enchantée ou Carmen, qui sont des opéras très connus, sont toujours mis un peu à notre sauce pour que l'idée, c'est donc en effet que ce soit accessible à tous comme participants, mais aussi pour les spectateurs. Donc il ne faut pas que ce soit trop long, il faut que ce soit compréhensible et voilà, il faut que ce soit joyeux. Très bien. Et cette année, donc, nous sommes en 2015. L'opéra se jouera quand et Alors où? cette année, c'est le Barbier de Séville. À Ça Mossette. se joue à Mossette entre le 24 juillet et le 6 août. Il y aura 10 représentations. D'accord. Vous connaissez les dates déjà? Toutes, On peut les voilà. trouver où ça? Où c'est que Sur le site d'Opéra Mossette. et le Journal Catalan. Bien sûr. Voilà. Mais je vous remercie.